Voilà, du coup, j'espère que je me suis bien que c'est un peu plus clair. Mais en gros, voilà, c'est un peu en revenir sur la carrière, sur un peu tout. Il y a forcément de l'affect, Greg l'a dit, voilà, les matchs un peu trop plats d'un côté, plus d'émotions de l'autre, etc. Mais une meilleure carrière en termes de titres pour Ferrer, par exemple. Enfin bref, voilà. En gros, c'est un peu ça le but. Là, pour le coup, c'est différent puisque c'est un joueur qui est en activité contre un joueur qui a pris sa retraite, mais c'est un débat que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et donc que je trouve intéressant. Nico, entre Rodri d'un côté et Yaya Touré de l'autre, tu préfères qui? Je pense que simplement parce que Rodri arrive à se rendre beaucoup plus indispensable dans ses équipes que ne l'était Yaya Touré, même si Yaya Touré était un gros joueur, vraiment, notamment quand il était au Barça, c'était quand même un super joueur, mais. Je trouve quand même qu'on sent par exemple Rodri quand il est absent de Manchester City, ça se ressent directement. Et aussi, on ne peut pas, même si Yaya Touré, il était vraiment voilà, dans le top 10 à un moment donné des meilleurs joueurs européens, Rodri, là, il vient d'avoir le ballon d'or. Bon, bah, je veux dire, ça, c'est. On ne peut pas occulter ça, et le fait que bah, quand vous avez un joueur qui a le ballon d'or par rapport à un autre qui n'en a pas, forcément on choisit plutôt celui qui a le titre suprême au niveau individuel. Et je trouve que c'est une comparaison intéressante parce que Yaya Touré, il dégageait tellement de puissance au milieu, il était vraiment, il régnait sur le milieu de terrain dans toutes les équipes dans les équipes dans lesquelles il est passé. Mais j'ai l'impression que Rodri, il y a vraiment voilà, cette régularité comme ça depuis plusieurs saisons, et j'ai l'impression qu'il continue de progresser en fait. Donc je dirais Rodri, mais je trouve c'est intéressant la comparaison avec un Yaya Touré qui était vraiment un super milieu de terrain défensif. Ok, très bien. Et je vais terminer par David, forcément. David.